Les Comoriens seront cet après-midi face aux Égyptiens dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football Cameroun 2022. En jeu de la rencontre, la première place du groupe G. Pharaon et Kouala Kantès ayant déjà obtenu leur billet pour le Cameroun avant cette dernière journée. Pour les Comoriens qui vont découvrir pour la première fois la CAN, le match face à l'Égypte a valeur de test. Il s'agit de se préparer à affronter des équipes avec des talents reconnus. Et les joueurs sont loin de bouder ce plaisir. Pour nous, c'est un bon test, car c'est une très grande nation africaine. Il sera donc important pour nous de bien jouer et d'essayer d'utiliser ce match pour évaluer notre niveau. Où en sommes-nous? Je pense donc que ce sera un très grand match. Nous n'avons aucun problème à le jouer. Pas question donc d'évoluer sans engagement. Bien au contraire, les Comores veulent déjà donner un signal en direction du continent. Bien sûr, nous allons là-bas pour bien jouer. C'est vraiment important pour notre première fois, pas seulement d'être présent, mais de bien jouer. Je pense qu'il faut montrer au monde que les Comores ont un bon niveau et une équipe forte. Les Comores et l'Égypte figurent parmi les 18 nations qui ont déjà validé leur billet pour le rendez-vous camerounais. Il s'agit du Cameroun, le pays organisateur, du Sénégal, du Mali, de la Tunisie, du Ghana, du Burkina Faso et du Gabon, entre autres. Reste à distribuer les 6 dernières places. Peuvent encore se qualifier dans le groupe B, l'Ouganda, le Malawi, dans le groupe E, la Mauritanie, le Burundi ou la République centrafricaine, dans le groupe L, le Bénin ou la Sierra Leone.